pas du tout. Non, non, c'est bien, il y a un peu de route. C'est le rêve d'un musicien, c'est de jamais rouler et de faire de la musique. On est chez nous, il y a 25 000 Aptésiens, on est sûr qu'il y aura au moins 20 000 personnes, quoi. Notre premier concert, on l'a fait ici. C'est vrai. C'est le dernier. Il y a longtemps, il y a plus de 40 ans, t'imagines. Et voilà, et le dernier. Non, en plus de jouer devant autant de personnes, on a fait une fois à la fête de l'Huma. On fêtait les 20 ans de Raoul. Mais les Eurocaennes, oui. C'est vrai, oh là là, ouais. Avec Suracos, putain, mais. Je me souviens pas de tout. Voilà, les jeudis du port à Brest. Ah oui, Brest. Oh là 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 là. Tonnerre. Allez! Bah moi c'est l'ambiance et le groupe quoi. Chaque fois qu'il y a des musiciens qui arrivent, on renouvelle le style. Ou là depuis le début je suis avec Marcus et Alain. Toujours on renouvelle, il y a des nouvelles compos. C'est jamais, hein, tu vois, on joue plus les morceaux du début. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a plus rien à prouver, tu vois. On joue pour le fun, en fait. Voilà. Et moi, je trouve, quand tu es jeune, tout ça, tu as vu, tu vas marcher sur les pieds de tout le monde. Ah, lui, c'est une nul ce qu'il fait, regarde-moi ces connards. Nous, on s'en fout maintenant. Voilà. Et du coup, c'est vachement plus détendu. On est là, on joue, on se fait plaisir. Juste ça, quoi. Voilà. Des fois, autant tu dis, oh putain, la route et tout. Oh putain, ce groupe, c'est long, ça va être galère. Puis en fin de compte, le public est là. Il donne, tu donnes, et puis une fois sur scène, c'est magique, tu donnes, quoi, c'est obligé. Et on balance les filles, on balance les bonbons. Ne dis pas tout, arrête, dis tout. J'en dis ce que je veux. Non, mais après, regarde, moi je vais te dire un truc qui est vachement bien. Ma mère était contente, tu vois, quand tu commences la musique, tu fais l'Olympia, j'ai tes parents, tu vois, qui sont contents, je dis enfin mon fils, voilà. Et après, tu t'en fous. Après, moi je suis content de jouer dans des bars maintenant, tu vois. Voilà, au contraire, dès que tu joues, c'est bon, quoi. Quand les gens ils sont près de toi, ils sont là, comme ça. Bon, là, il y a 3 mètres, là, il va falloir qu'on saute avec nos genoux cassés, la putain. Non, mais c'est vrai. Ça va très bien. Non, mais toi, quand t'as commencé, que ton père voulait que tu sois coiffeur, t'en rappelles, et que j'étais à l'Olympia, on avait reçu le télégramme de. Comment il s'appelait le ministre Jacques Lang, tu vois. Mon cher parent, ça y est, on va rentrer au gouvernement, quoi, il me disait, tu vois. Voilà, j'étais content. Ouais, voilà. Bien qu'en me voyant dans mes déguisements, des fois. Ouais, c'était bizarre, quoi, les parents, ça faisait bizarre. Mais c'est bon, oui, vas-y alors, excuse-nous, hein, on s'égare. De tous les tortionnaires d'inverser le cours de main. Oh, quelle galère! Bah, vas-y, continue. Et moi, je vais te dire, nous on est à la retraite et c'est trop bon. Plus besoin de cacheton, rien, voilà. C'est bon. Ouais, fais la fille. Je gagne un plus d'or. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, toi, oui, moi, ça va. Du coup, tu fais un peu le maçon, tu vois. Mon nom est Carton, moitié chanteur, moitié maçon. Ça, c'est vrai. Tu peux, quoi. Voilà. Ouais, histoire mais. De garder le souffle. Ouais, mais faire de la... Moi, je fais en plus, j'ai de la figure. Là, ils ont arrêté plus belle la vie. Là, il y a plein de zikos qui sont dans la merde. Parce qu'il y avait tous qui partaient faire de la figure, du décor, de l'électricité, tout ça. Non, moi, c'est vachement bien de plus être intermittent. France Bleu, c'est la radio qui nous a un peu lancé, en gros, quoi. La non, radio du coin. Non, qu'est-ce que vous avez lancé? C'est FR3. Ah oui, pas, les télés. Au départ. Avec l'écho des bananes, Vincent Lamy, chanteur de Bonheur des Dames. Voilà, j'étais il y a 40 ans. On leur avait dit qu'il y avait un groupe Barjot dans le sud et ils sont venus nous filmer au château de l'Empéry, à Salon de Provence. Et comme il y avait l'émission les dimanches, tous les dimanches, ils passaient un morceau. Voilà, et du coup, de 300 personnes, on passait à 3000, 4000. Et les gens n'avaient pas compris que je m'appelais Carton, ils disaient Gaston. Voilà, c'était marrant, on avait joué à Lyon. Oui, ils nous ont bien fait décoller, oui. Ouais. Je veux mourir sur scène. Voilà, eh bien, très bien. Ok, thank you very much, oh, insane. Bah, vous êtes bien sûr. Merci beaucoup. On va vous foutre le feu. Les pompiers sont pas loin, les pompiers sont...